Je m'appelle Charles Arétuze, je suis pilote de montgolfière depuis 13 ans maintenant dans la région. J'habitais dans la région déjà petit et puis il y avait des montgolfières déjà il y a quelques années. J'ai eu la chance de faire mon premier vol, j'avais 5 ans. C'est devenu une passion et de fil en aiguille, j'en ai fait mon métier. On donne rendez-vous assez tôt, on choisit un terrain de décollage en fonction de la direction du vent, étant donné qu'on ne se dirige pas, c'est le vent qui fait tout pour nous. C'est le matin et le soir, au lever ou au coucher de soleil pour des raisons techniques. Et c'est là où l'air est le plus stable. Bon, par chance, c'est là où aussi les lumières sont les plus belles, hein, lever et coucher de soleil. On fait la mise en place avec nos passagers. On remplit le ballon d'air froid à l'aide du ventilateur. On le réchauffe avec le brûleur. Une fois que le ballon est en température, il se met debout et on invite à monter les passagers à bord. Voler au-dessus de la Loire, c'est magique, c'est juste une sensation de liberté et découvrir des paysages et des lumières, des couleurs, des animaux différents tous les jours. Chaque vol est différent et toutes les saisons sont différentes. Les lumières, la nature, la végétation, tout évolue au fur et à mesure de l'année. C'est très sympa et comme on n'a jamais les mêmes directions de vent, on change de vol en permanence. Donc il n'y a pas de monotonie, c'est toujours une nouvelle découverte. Le château de Chenonceau est magique et magnifique de par sa particularité d'être comme un pont sur le Cher et de s'accompagner des grands jardins à la française. Après, dès que l'on passe sur la Loire avec Amboise, Chaumont, c'est aussi sublime, ce fleuve qui est très large et avec une faune et une flore encore plus développées que sur la vallée du Cher. C'est très très calme et apaisant le fait d'être en l'air puisqu'on est porté suspendu par une bulle d'air chaud, enfin, par le ballon. C'est juste la sensation de flotter dans les nuages et dominer le fleuve, c'est juste magnifique. Effectivement, on est bien en l'air. Une fois posé, on n'a qu'une envie, c'est de redécoller.